Bonjour Christophe Najdowski. Bonjour. Vous recevez aujourd'hui une délégation des salariés de Cyclo City, la filiale de JCDecaux qui gère les Vélib'. Ils craignent de perdre leur emploi si le marché change de prestataire. Vous allez leur dire quoi Je vais d'abord les écouter. Je me suis engagé à les recevoir puisque je les ai rencontrés avant-hier. Euh, il faut savoir qu'on est en pleine procédure euh, d'appel d'offres. Et donc, euh, moi, je ne peux pas m'exprimer sur cette procédure qui est en cours. Réponse en avril On aura la, à la mi-avril, effectivement, donc, euh, la décision. Et donc. Euh, dans une procédure en cours, donc on ne peut pas faire de, de commentaires. Donc simplement, évidemment, par rapport à l'inquiétude légitime des salariés quant à leur devenir, euh, ben on doit être à l'écoute et c'est la raison pour laquelle je les recevrai euh, en fin de matinée, avec euh, la volonté, effectivement, de faire en sorte que euh, leur message puisse être entendu. Vous pouvez leur dire, on va poser pour essayer que, même si on change de prestataire, vous gardiez votre emploi Quoi qu'il arrive, quel que soit le prestataire, euh, on a, je dirais aussi, un engagement moral vis-à-vis euh, -vis de ses salariés, euh, qui font que euh, aujourd'hui, d'ailleurs, le service Vélib' est très apprécié puisque il a même été euh, élu service client de l'année en 2016 et en 2017 pour deux années consécutives. Donc, ils font partie aussi intégrante du succès de Vélib'. Paris euh, inaugure ce week-end, un dimanche, euh, un nouveau parc, le parc rive de Seine. C'est une partie euh, des berges rive droite à la place de ce qui était la voie Georges Pompidou. Il y avait des voitures. En fait, vous inaugurez un lieu. Où la piétonnisation est encore au stade d'expérimentation. Ça veut dire quoi Vous forcez un peu la main Non, ça veut dire que oh, bah, aujourd'hui, aujourd <laughs> les, vous savez, les, 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 la piétonnisation des berges, je dirais, elle, elle est en train d'entrer de, dans les mœurs. Et d'ailleurs, les Parisiens n'ont pas attendu euh, pour s'approprier les lieux, puisqu'on voit avec euh, ces dernières semaines, on voit de, de plus en plus de monde sur les berges. Et pas simplement le week-end, mais aussi en semaine, il y a beaucoup de monde. C'est aussi un lieu qui sert, euh, par exemple, aux cyclistes, euh, à une échelle métropolitaine désormais. Moi, j'ai des cyclistes du Val-de-Marne qui me disent bah, Merci, parce qu'avec euh, les berges de Seine, eh ben, euh, euh, je fais un détour aujourd'hui euh, pour passer par les berges de Seine pour aller travailler. Je fais 3 km de plus, mais au moins, j'ai des conditions de déplacement à vélo qui sont euh, idéales mais pour aller travailler est... euh, tous les jours. Qui est testé, Donc, Le préfet de police avait dit 6 mois, ça devrait être ralentissé. On fera le bilan, on, fera le bilan on, on inaugure le bilan, effectivement, quelque chose, on acte le on a, fait on a, on que. On avait là parlé d'une période d'observation. Il faut savoir qu'il y a une période d'observation, non pas d'expérimentation, c'est une période d'observation de six mois qui a démarré le 21 octobre et qui va se terminer le 21 avril, donc il y aura un bilan qui sera fait au moment de, donc à, à fin avril. Euh, simplement, donc, l'arrêté qui a été co-signé par le préfet de police et par la maire de Paris en octobre dernier stipule bien que c'est un arrêté de piétonnisation et qui ne donne pas d'indication de durée dans l'arrêté de piétonnisation. Voilà. Par contre, on est dans une période d'observation pendant six mois et donc dans, dans quelques semaines, on aura aussi un bilan à six mois de ce qu'on a pu observer euh, sur les berges, donc depuis le, le mois d'octobre. Alors, puisqu'on parle de bilan, il y a ces chiffres aussi qui sont dévoilés ce matin dans le Parisien. Ce sont les mesures de pollution de l'air justement depuis la piétonisation Alors sur les voies piétonnes, euh, visiblement c'est super, moins 25 pour le dioxyde d'azote, mais ailleurs ça augmente, plus 5 sur le périphérique, comme sur le boulevard Saint-Germain, plus 10 sur les Quais. Euh, Est-ce que ça vaut le coup oui, ça vaut le coup parce que ça montre qu'il n'y a pas d'augmentation de la pollution, comme le disaient certains, mais effectivement, donc ça dépend où on se, un déplacement, ça dépend où on se pose. Oui, un, dé, un déplacement effectivement. Donc il y, a, il y a des augmentations qui sont à certains endroits sur les KEO notamment, mais il y a aussi des endroits sur les KEO où la pollution diminue entre 1 et 5 et sur les kebabs, donc ça diminue de 25 Et globalement, ce que l'on observe aussi, c'est que on ne retrouve pas la totalité du trafic qui existait auparavant. Donc, il y a moins de trafic et donc globalement, il y a moins de pollution qu'avant. Donc, vous vous dites que même si on voit plus 5 sur le périphérique, la balance elle est positive. La balance est positive dans la mesure où euh, il faut il faut être effectivement très euh, Très regardant sur la question de, 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 des évolutions euh, et notamment donc, là où ça augmente de manière à faire les adaptations nécessaires. Et euh, notre travail dans les mois qui viennent, ça va être justement de regarder maintenant comment on s'intéresse à la question des itinéraires de report, les quais et comment on fait euh, pour réduire la circulation automobile, pour réduire euh, aussi euh, l'impact sur la pollution. Vous savez qu'on a un projet de bus. Euh, électrique à haut niveau de service que nous souhaitons euh, implanter sur les kéos dès l'année 2018. J'espère que Mme Pécresse et la région Île-de-France nous accompagnera dans cette volonté aussi de continuer à pacifier la circulation sur les kéos après la piétonnisation des berges et des kebabs. Dernière question euh, rapidement, Christophe Najdowski. Le préfet de police a interdit les balades à roller dans Paris euh, depuis le, le début du mois. Euh, vous en pensez quoi et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous C'est une décision qui est regrettable et qui est incompréhensible parce que euh, les balades à roller, ça existe depuis 20 ans à Paris, ça fonctionne très bien. Euh, ça fait partie je dirais de, de la vie parisienne de l'identité même de paris et donc je crois que on a d'ailleurs écrit au préfet on l'a saisi très, très rapidement pour lui dire que voilà, il faut savoir raison garder et puis faire en sorte que on trouve les moyens d'accompagner les rando à roller comme ça se fait habituellement on a besoin simplement de quatre effectifs de police pour le faire franchement on peut trouver une solution merci beaucoup christophe merci. Najdowski, a toujours en charge des transports à la mairie de paris d'être passé ce matin par france bleu bonne journée